Bonjour, Joanne. Un gros merci pour tout ça, puis un gros merci pour ta grande générosité dans tout ça, pour avoir représenté les employés du CIUSSS aussi au niveau du conseil d'administration de la Fondation, d'avoir participé activement à ce qu'on grandisse, qu'on devienne encore plus, encore meilleur dans nos activités de mobilisation pour supporter la santé ici en Estrie. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être sur le conseil d'administration puis de représenter les employés du CIUSSS et ça fait un plaisir. On n'est pas seuls ce matin. C'est ça, on a une autre petite surprise qui nous attend. Moi, c'est Valérie. Je sais. Comme ça fait. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais le goût de parler. Mais là, vous avez pris votre retraite. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre notre retraite à 100%? Je pense que c'est en nous de donner au suivant puis de donner du temps. Est-ce que vous allez vraiment dire non, moi, le bénévolat, ça me tente plus. Ça, je ne crois pas. Je vais continuer à en faire. Ça, c'est certain. Je suis déjà impliquée au niveau de mon association de gestionnaire au niveau provincial et régional. Il y a des sevrages qu'on fait. On ne peut pas toutes les faire en même temps. Mais au niveau de la fondation, de toute façon, une partie de mon cœur est là, va rester là. Alors, c'est sûr que je vais continuer à m'impliquer. Vous méritez cet hommage-là ce matin. Alors, on vous remet avec grand plaisir le prix du CIUSSS. Merci beaucoup à vous. Bien, merci. Un sincère remerciement à la fondation. C'est une belle reconnaissance, je l'avoue. Ça nous fait chaud au cœur de recevoir une reconnaissance comme ça. Comme moi, ça me fait chaud au cœur. On est là pour ça. Merci beaucoup. Bravo!